Immortel pour un moment, presque éternel for a while. Le plus important de mon appartement, je suis lentement l'anti-héros. Avec le temps, l'anti-social. Mais quoi qu'il arrive, moi. Ouais, bah il y a eu l'album des 10 ans, ouais, mais après ça s'est mal passé au niveau de la production, parce que j'ai refusé de faire une promo pour Trio, parce que en fait on me proposait d'aller chanter à la radio des trucs qui n'étaient pas de moi. Ça m'a un peu gonflé, donc du coup là je suis un peu en bisbis pour cet album. Mais ouais, en tout cas je suis super fier de cet album, puis c'était ouais, l'album du petit bilan quoi. Donc on a fait ça, puis même dans la vie tu le fais quoi, forcément le bilan tu vois, à partir des 40 piges ça commence un peu à tirer sur les coutures quoi. Comme... Je n'ai rien contre la fortune, et si je veux bien rester droit, j'aime autant dormir sous la lune uniquement quand c'est un choix. J'aimerais voir de nos yeux un gosse de moi sous... Mais je crois que le talent, de toute façon, c'est que du travail, en fait. C'est le talent, c'est l'idée d'un truc, c'est l'imaginer presque, le sentir, tu vois, comme un parfum, et puis après, ne pas lâcher l'affaire jusqu'à temps que tu sois proche de ton idée de départ, quoi. Donc, c'est peut-être ça qui fait la facilité, et puis il y a aussi les chansons que t'as écrites en plein de jours, mais sans se toucher un stylo, tu vois. Une idée qui m'assert, puis voilà, puis d'un coup, en une demi-heure, t'as le texte qui vient, et là, en fait, c'est pas qu'une impression, la facilité, ça l'a vraiment été. C'est-à-dire, toutes les étapes d'avant ont été un calvaire, et puis à chercher ton idée, comment la conceptualiser, etc. Puis une fois que tu l'as, là, il y a une vraie facilité. Et après, il y a d'autres chansons où ça a été plus laborieux, mais pour masquer ça, tu te venges un peu sur l'arrangement. Par contre, tu donnes l'impression d'être un vrai gentil, t'as forcément déjà rencontré des vrais méchants. Ouais, ouais, bah comme je te disais, ouais, des fois, c'est pas qui on croit, quoi. Comme les gens que je viens de te nommer juste avant, ouais. Qui sont pas forcément des vrais gentils, quoi, et déguisés en beatnik pourtant, mais ouais. Une fois le temps d'abandonner, moi qui voulais tous les empires et les murs à ton. Je pense qu'on est plus dans l'époque de la liberté aussi, tu vois. Il y a un truc, on n'est plus tellement grande gueule, quoi. Et puis c'est les mêmes mecs, en fait, qui regardent des émissions en noir et blanc avec Jacques Brel qui disait la vérité, et puis qui sont là en train de s'extasier, tu vois. Sauf qu'aujourd'hui, et puis c'est les mêmes gens aussi qui te commentent sur tes trucs, ouais, les artistes ouvrent plus leur gueule. Bah ouais, mais s'ils l'ouvrent, en fait, bah, ça leur arrive comme ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire que c'est plus dur de tourner, quoi. En étant intègre qu'en étant un suceur qui fait son taf, qui déroule son truc en interview. Enfin, tu vois. De toute façon, il suffit de pas plaire à une personne qui a des connaissances ou un bras super long. Ouais, mais tu vois, en même temps, je suis allé aux États-Unis pour jouer. Ouais. Et j'ai croisé les mecs de Netflix et tout, pour ceux qui connaissent un peu. Et en fait, tu vois, là-bas, il y a un autre truc, c'est que le talent compte, quoi. T'as que maintenant, en fait, c'est vraiment le qui tu connais et comment tu leur parles. Enfin, voilà, les temps ont changé, mais pas dans... Enfin, pour ça, là, je trouve que là, on a le droit maintenant de dire c'était mieux avant, tu vois, sans être un vieux con, forcément, quoi. Par contre, je pense que si t'as un petit mot de la fin, là, je crois qu'il y a Macron qui est passé sur Brut il y a quelques minutes, là. Ouais, ouais. Bah ouais, c'est pour ça que j'avais décalé ton appel. Putain, je sais même pas par où commencer, tu vois. Mais j'ai envoyé 360 000 fois le message à des intermittents qui vivent sur un point d'interrogation géant. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce qu'on leur décale leur date butoir qui était pour l'instant en 31 août? Enfin, tu vois, c'est-à-dire que si la date butoir était au 31 août, on aurait dû commencer à bosser le 1er septembre, ce qui n'a pas été le cas du tout. Là, on est tous sur un point d'interrogation. Tu vois, je vais être papa, je suis encore plus sur un plus gros point d'interrogation. Il y en a plein qui ont déjà des gamins. Puis il y en a qui ont moins de visibilité que moi et qui, pour qui c'est encore plus dur. Et la culture, c'est quand même un peu la vie, quoi. Putain, si on a plus, tout avance par la culture, je veux dire, ça ouvre des portes, et même où ça ferme les rideaux quand on a besoin de les fermer, et ça ouvre des portes quand on a besoin de les ouvrir, quoi, tu vois. Donc, mon mot de la fin, j'aimerais qu'il parle pas de Macron, quoi, tu vois. Parce que vraiment, là, je l'ai regardé, et puis voilà, le même Macron qui nous disait pour se faire élire qu'il n'y aurait plus personne dans la rue avant la fin de la première année de mandat. En train de se justifier devant une meuf pseudo-féministe qui lui dit « Oui, alors, les gens qui dorment dans la rue, comment les femmes pour leurs règles, pour les protections hygiéniques, est-ce que ça pourrait être gratuit, machin ?» Et l'autre, il est en train de répondre sans trembler du menton, et aucun journaliste non plus leur lance sur le fait qu'il avait dit qu'il s'est engagé à ce qu'il n'y ait plus personne dans la rue. Et quand on voit le nombre d'appartes vides en France, c'est honteux, en fait. On est en train de jeter des milliards en l'air... Pour en faire rien, quoi. L'autre, il nous relance l'automobile. Putain, tu crois qu'en ce moment, les gens, ils ont envie d'acheter des bagnoles. Enfin, bref. Ouais, et... Je trouve que contrairement au premier confinement, là, il y a un truc vraiment plus dépressif, quoi. Parce que le premier confinement, il y avait un côté, putain, peut-être que c'est enfin le changement qu'on attendait depuis tellement de temps. Et
je sais pas, la prise de conscience générale, l'envie de faire mieux, etc. Le monde d'après, comment on a essayé de nous vendre, puis là, le monde d'après, on le voit, c'est le même qu'avant, sauf que c'est encore pire parce que t'es chez toi comme un connard dépressif, quoi, tu vois. T'as des projets à venir, là, ouais. T'as plein de projets à la tête. Il y a un projet déjà de faire le EP de ma chérie et de la maman de mon gosse. Et il y a un projet de collectif qui partira un peu dans tous les sens, où il y a pas mal de gens qui vont intervenir, je ne peux pas encore en parler vraiment, mais qui sera un projet complètement libre artistiquement, où il n'y aura pas qu'un style de musique, etc., qui s'appellera Kid Hacienda. Et je suis toujours en train d'écrire un album aussi, à peu près tout le temps, quoi, même en tournée, j'écris quoi, dès que j'ai une idée. Et un projet de livre qui se veut un peu bukowskien, voilà, sur des pensées du monde actuel, quoi. Eh ben c'est top alors. C'est top, c'est top. Voilà. Je te remercie beaucoup en tout cas. Bah ouais. Et puis, merci à toi. Et puis au plaisir sur scène alors, hein. On va te revoir sur les carreaux. Ouais, putain, on va aller croquer du bois, ouais. Je pense que quand les premiers concerts vont se repasser là, ça va être hystérique. Ouais, c'est je pense, le seul ouais. truc qui me tient un peu en haleine, ouais. Et qui évite que je pète complètement un câble, c'est de me dire au moment où nous on va monter sur scène, on va croquer du bois, et je pense que les gens ils vont avaler du copeau aussi, quoi. Ils vont être. Il va se passer des choses, je pense. Enfin, j'ai hâte de ça, quoi. Ça me rend un peu dingue là, de voir, parce que comme tout à chacun, j'ai Instagram, et de voir des screenshots, une capture d'écran en français, de gens qui sont là, ouais, j'ai fait tant de millions de vues, je sais pas quoi, sur Spotify, alors que rappelons-le, Spotify nous paye 0,005 centimes de dollars, hein, pas d'euros. Ce qui vaut quasi la même chose, mais quand même un peu moins, qu'on se prend des leçons sur ce qu'on devrait faire ou pas par le patron de Spotify, en train de nous dire que faire un album tous les 2 ou 4 ans, c'est pas assez, en fait, on n'est pas assez productif. Et tous ces cons-là, ils sont en train de se faire un concours de celui qui pisse le plus loin, à base de, en fait, s'ils réalisaient vraiment, ils comprendraient que c'est le concours de celui qui s'est fait le plus baiser, quoi. C'est-à-dire que j'espère que j'ai peu de vues Spotify, en vrai, parce que ça voudrait dire que je me suis fait un peu moins baiser que la moyenne et que les gens ont acheté ou même regardé ou même piraté, en fait. Parce que je préfère encore qu'on me pirate, parce que j'ai un peu d'honneur. Et voilà, et je vois tous ces gens en train d'être fiers d'un système qui leur nuit. Alors que le patron de Netflix, qui n'est pas concerné par le problème, a fait un gros chèque à l'État français, et on en a peu parlé, bizarrement, pendant le premier confinement, pour nous expliquer que voilà qu'il soutenait la culture, etc., ce qui est tout à son honneur, même si c'est un coup de pub. Et là, en fait, les gens sont en train de soutenir un système qui a dégradé tout l'industrie de la musique. Et ce mec-là, au départ, il s'est pointé pour dire la seule alternative au piratage, quand il y a eu les peer-to-peer au début, de toutes les chansons, etc., c'est moi, en gros, le gars, super héros devant l'éternel. Sachant que Spotify bénéficie de Google qui ne paye pas ses impôts en France, que eux non plus ne payent pas leurs impôts en France, pareil pour Deezer, hein, c'est pas Spotify, j'ai rien contre Spotify, je m'en fous. Peut-être qu'on pourrait réinventer ça et se servir de la plateforme Spotify pour pouvoir ne pas se faire baiser comme dans les années 90 où il y avait un single, t'achetais l'album et tu rentrais chez toi, en fait tout le reste c'est de la merde. Et ça m'est arrivé plein de fois, genre Spin Doctor, tu vois, et ça, je me suis fait quand même baiser aussi, tu vois. Et en fait, tu sais, au lieu de se servir de ça pour qu'il y ait eu, par exemple, une ou même 5 écoutes, même gratos, et qu'après, si tu veux continuer à écouter, bah, tu payes, je sais pas, même 1 €, et ben, en fait, il y aura même plus besoin d'intermittence. Quand on nous fait passer les intermittents pour des parasites, il y aura même plus besoin, là, de l'intermittence, parce qu'il y aurait assez de fonds générés pour tout ça. Et là, en fait, je vois tous ces gens faire un concours de, ouais, c'est moi le mieux. Et même des punks, putain, et même des punks, et même, par exemple, j'ai rien contre elle, je l'adore, Camila Jordana, qui défend la veuve et l'orphelin, et c'est très bien, je suis content qu'elle ait cette prise de conscience, mais par contre, qui est fière d'annoncer que, voilà, en tant que meuf de gauche, elle s'est bien fait baiser. Bah, moi, ça me choque, en fait. Donc, je suis peut-être le seul que ça choque, et puis sûrement que je vais me prendre 1 million de commentaires sur les réseaux sociaux juste pour cette phrase, mais en fait, je l'assume, et puis je pense que le jour où le vent va tourner, je serai du bon côté du manche, quoi. Voilà. Petit mot de la fin. Je suis féministe pour l'instant. Plus tolérant que mes entrailles, le plus militant de mon département me sent pourtant moins Charlie que Charlot. Il abandonne l'épouvantail, mais quoi qu'il arrive, moi j'y survive, qui prouve bien qu'Inch'Allah nous n'étions pas de trop, qui prouvera que Dieu est grand, mais beau.